avez tous le droit d'avoir un bon costume. Toi, lève-toi. Regardez-le. Regardez-moi. À qui vous voulez confier votre argent? À lui ou à moi? Hein? À qui? Répondez, bande de vous! Qu'est-ce que c'est que ces t-shirts qui sent le chômeur? Pourquoi t'as pas mis un costume? Bah parce que j'en ai pas. Eh bien, le meilleur moyen d'avoir un costume, c'est d'aller bosser. Soit tu te fais bouffer, soit tu bouffes. Il n'y a pas de pitié dans cette vie. On trahit et on écrase ou on reste au RSA, comme ton père. Enfin, moi, mon père, en fait, il est prof, quoi. Tu te tais! Le matin, quand tu te regardes dans la glace, tu te dis que tu es le meilleur, que tu es beau, que tu en as dans le pantalon! Ah. C'est mais quoi, c'est quoi ce truc? Ça marche, en plus. C'est un bidule qu'on a fait à l'usine. Vous voulez voir? Mais ce gars-là, j'ai déjà vu, hein. Il est complètement dingo. Vous faites quoi, ici? Bah, moi, je cherche du boulot. C'est Pôle emploi qui m'a dit de venir ici. Pareil. Bah, en fait, moi, je suis en licence et on nous a imposé un espèce de module professionnalisant. Ouais, parce qu'on nous propose que des stages. Non rémunérés, en plus. Ah, mais ça, ça doit pas être interdit, quoi. Travail égal, salaire égal. Nous, à NPA, on propose justement que les jeunes puissent avoir un pré-salaire financé par les cotisations patronales et qui permettent justement aux jeunes qui le souhaitent d'étudier dans des bonnes conditions. Il faut interdire les contrats précaires et les stages obligatoires non rémunérés. Vous avez déjà fait de l'apprentissage? Eh bien, pour les apprentis, on propose qu'ils soient tous payés au moins au SMIC. Eh bien, moi, je vais vous exprimer mon ras-le-bol. Ça fait 9 mois que je suis dans cette boîte. J'ai eu un CDD genre de 3 mois, puis un break de 15 jours, puis un autre CDD de 3 mois, et puis un autre break de 15 jours. Et le soir, je me fais convoquer dans le bureau de mon employeur, et il me dit, monsieur, ça ne pourra pas le faire. Est-ce que c'est dans ce type de société que je dois vivre? Mais ton cas n'est pas isolé, c'est ça qui est grave. On vous endort avec les mots auto-entrepreneur, flexibilité, compétitivité, tout ça au bout du compte, pourquoi? Pour travailler 60 heures par semaine, avec 800 euros par mois. On voit bien aussi qu'on veut nous diviser, hein, parce que notre force, c'est l'union. Et avec la destruction des services publics aussi, ça nous fragilise encore plus. C'est pour ça qu'on s'est battu l'année dernière contre la loi travail. Ouais, on ne se laissera pas faire d'ailleurs. Non mais en plus, le seul truc qu'ils trouvent à nous proposer, c'est le service militaire, quoi. Ou dans les programmes d'ajouter un récit national totalement mensonger. Ouais, et nous, on a un autre récit à écrire. Ouais, vous avez raison, vous allez mieux que ça. Bon, là, il faut que j'aille. J'ai une émission à enregistrer. C'est quoi l'émission? On n'est pas touché. Bah, bonne chance. Tu m'as télécommande. 4-4-40 Votons pour l'un d'entre nous, un travailleur, Philippe Poutou.